Oh yeah, salut tout le monde, c'est MLG et on se retrouve pour un nouvel épisode de Forager. Alors, il serait temps qu'on essaye... Ouh, il y a des choses là-bas. Qu'on essaye de faire des enclos pour les animaux. On en a parlé à la fin de l'épisode précédent. Il faut qu'on puisse avoir des enclos, mettre les animaux et comme ça on est tranquille. Donc je pense que les enclos, faut que j'essaye de les mettre en bas. Au niveau de la ferme, parce que bah y a de la place tout simplement. Enfin, c'est plus par là que j'ai de la place finalement. Faut que je vende des choses. Ça, ça, je crois que j'aurais peut-être pu le garder quand même. Il y a trop de trucs, faut que je les ramène au musée en vrai. Ou alors que je me refasse ça. Tiens, je vais me refaire ça. Économie, vault, clac, voilà, allez, please. Tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens et tiens. Ah. Ah. L'inventaire qui fait plaisir. Ok. Donc, on veut des barrières. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille là-dedans. Gate. On en voudrait deux. Va plus vite. Elle. Bizarre l'animation des gates quand même. Hein. Bref. Et du coup, fence. Max. Peut-être pas max, la moitié des fences. 20 fences, alors attends, une fence, ça me donne combien? Va plus vite. Ça me donne qu'un. Par contre, j'aime pas du tout l'animation qu'ils ont mis pour les fences. Hein. Et ça, à mon avis, devrait le changer. Hein. Parce que c'est vraiment pas terrible de voir le truc bouger bizarrement dans tous les sens là. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça bizarre. Bref. Ok. On a vu aussi que construire des choses, ça permettait de gagner de l'XP. Hein. C'est vrai que quand on avait fait le Single Island Challenge, c'était comme ça qu'on grattait un petit peu nos XP. Faut creuser là, hop. Ok. Alors fais-moi voir un petit peu. Allez, Great Skull, on peut toujours pas. Par contre, je sais qu'on pouvait d'autres choses là-dedans. Ouais, cela. C'est les threads qu'il me faut. Slam Boots, pareil. Et ici, il me faut du cuir. Il me faut 20 de cuir. C'est possible. 8 de cuir, il me faut du coup... Ah! Bon, j'aurais plus de thread, mais c'est pas grave. Je vais pouvoir en refaire un petit peu par là. Mira, je pourrais peut-être acheter du cuir au marché. Hein. On verra ce que ça donnera. Tiens, je récupère pas mal de stuff là, c'est bien. Il y a pas mal de trous sur le côté gauche. On va aller récupérer les trous là. Il y a probablement des trésors dedans. Des os, c'est surtout des os qui m'intéressent parce que là il m'en manque 30. Hein. 30 et on a terminé la petite quête sur le côté là. Ok. J'ai récupéré des flèches. Bon, ma foi, c'est pas mal. Hein. Allez. Pas de squelette. Allez. Pas de squelette. Oh. Il n'y a plus de tombe. Oh. Il y en a là-haut. On va se faire les tombes là-haut. Squelette. Yes. Ça dort pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Squelette. Yes. Nice. Le slime. Le respect, s'il vous plaît. Aïe. Le respect. Merci. Très bien. Hop, on récupère tout ça parce que des nas, fishnets, comme ça que ça s'appelle. Hein. Faut qu'on en mette aussi de ce côté-là. Donc on va en mettre là. Je vais voir si je peux d'ailleurs. Fish trap. Ah, il me faut des berries. Il me faut beaucoup plus de berries. Ça, les berries, il va falloir que je les farme à gogo. Ça va pas être jojo. Parce que les berries, c'est pas si simple que ça à farmer, mine de rien. Ok, laisse-moi passer. On va récupérer les fences ici. On a bientôt terminé de récupérer toutes les fences. Hop, on a tout le cuir. On a du caca en plus. C'est très bien, j'apprécie, j'adore. Max, 2 de plus. Je sais plus si c'était 2 qui nous manquaient pour faire justement notre gros sac. Oh, encore une enclume. Très bien. Alors, si c'est bon, paf, tu vas pouvoir me faire ça. L'enclume, je vais pouvoir la vendre. 200. Parce que j'en ai déjà une, je ne sais plus à quoi elle me sert. Ah, tu me dis, ah, je vais quand même les garder, je vais quand même les garder. Parce que je ne sais plus si j'en ai besoin pour quelque chose de particulier ou pas. Ça, je vais regarder si je peux le vendre par contre. Donc bon. Enfin, le vendre. Le mettre dans le musée. D'ailleurs, ça aurait été cool que le musée ait un upgrade. Ouais, je peux le mettre. Hop. Et un upgrade par rapport à tous les nouveaux items qui sont arrivés dans le jeu. Ça, ça aurait été cool. Ça aurait été vraiment cool. Ok, donc je disais qu'il fallait... Ouh, fais voir toi. Ah, c'est tentant quand même. Hein. C'est tentant.
Je disais donc qu'on allait faire la ferme aux animaux juste ici, là. Je pense qu'on va le faire dans le coin, là. Ça pourrait être pas mal. J'ai plein de pièces ici, c'est bien. On va pouvoir regarder si on pourra s'acheter un nouveau terrain aussi après. Creuse ici, y'a rien. Donne les pièces 7. Ouf. Alors, 1700, je pense pas que je puisse acheter quoi que ce soit. On verra après, mais je ne pense pas. Alors, toi, t'as un poulet. Je sais vraiment pas comment je vais les attirer ici, les animaux, en fait. Hein. C'est vraiment le seul problème que je vais avoir. Du coup, on va mettre nos fences. On va les mettre jusque là, les fences. Ça me semble pas mal. Voilà. Ok, et ici, on va mettre nos deux portillons. Et du coup, on va ouvrir les deux portillons pour qu'on puisse passer. Et du coup, si les animaux veulent venir ici, ils pourront. Par contre, comment les faire ramener là? J'en ai aucune idée. Par contre, si je veux tuer le slime... Et voilà, le poulet va y passer. RIP! Ton énergie est low, je le sais bien, mais je peux rien y faire. Par contre, les berries, ouais, il m'en faut. Donc ouais, si vous avez des idées sur comment attirer les animaux, je suis preneur. Je pense pas que ce soit comme dans Minecraft où je peux leur ramener du blé dans la main et les attirer, les vaches. Je m'étonnerais que ça se fasse comme ça. Ma foi, qui ne tente rien à rien, on peut quand même essayer, mais ça m'étonnerait. Hein. Ça, je veux. Allez, continue. Du coup, tout ce qui est ficelle, là, il va m'en falloir encore plein, étant donné que j'ai tout dépensé pour le cuir et le sac que je vais pouvoir récupérer. Donne. Que je vais pouvoir récupérer, du coup. Alors, les slimes, on va se les faire. Voilà. Viens là. Non, ça, c'est un poulet. C'est pas un slime. Ok, un œuf. Du coup, si je mets... Ah, j'ai pas de blé sur moi. RIP, tant pis pour toi. Je voulais mettre du blé sur moi pour voir si je pouvais l'attirer, mais... Ah, je pense que ça va être compliqué de l'attirer. Oh, il a failli se prendre un coup de pioche en plus. À moins que je le bloque en fin de compte. C'est-à-dire que là, le poulet, si je fais ça, il peut que passer par là-bas. Après, je peux rien mettre d'autre hein, pour vraiment bloquer le chemin. Au moins il est là le poulet. Il faudrait finalement que je lui fasse un chemin pour l'attirer vers la zone que je veux. Ça c'est un petit peu galère quand même hein. On va pas se mentir, c'est un petit peu galère. Ma foi, si on peut avoir des animaux dans la zone. Par contre, ce qui va être compliqué, c'est retourner dans l'enclos après derrière. Parce que si on retourne dans l'enclos, les animaux vont probablement vouloir se barrer. Et du coup bah ils vont se barrer. Il est dur ce truc. Ah bah oui, je peux pas le casser forcément, c'est ce truc là. C'est pour ça qu'il est dur. Ou alors les animaux vont rentrer directement tout seuls dans les enclos. Ce serait tellement beau. Il faut pas trop en demander. Slime. Vache. Ouh, le sac à dos, je veux. Donc on a débloqué 4 slots en plus dans l'inventaire. Et du coup le prochain va me demander du Royal Clothing. Moi, ce qui va m'intéresser pour l'instant... Ah, topaz, peut-être que j'en garde, tiens. Je vais garder les topazes maintenant, j'ai pas fait attention. Et glace, il m'en faudrait 3 de plus. Ça, je peux le faire. 3 de plus. Donc le vert que je vais avoir, je vais le garder. Maintenant, le topaz que je vais choper, interdiction de le vendre. Il faut le garder. On a récupéré un. Bah tiens, regardez, hop. Donc le topaz, maintenant, on le garde. Y a pas moyen. On va même le stocker ici, comme ça on est sûr de ne pas le vendre. Ok. On vire tout ça. Le vert, tu peux le choper. Là-bas, il y a des tombes. Non, mais il y a des fleurs et il y a des citrouilles. Donc ça, on peut le choper pour le ramener au musée après. C'est con qu'il n'y ait aucune tombe ici. Il y en a là. Il y a des squelettes. Très bien. Et là aussi. Cool. Ici aussi. Allez, squelette. Nice, tu me gâtes. Tu me gâtes. Os, yes. J'en ai combien au total? 78. Bon, c'est pas beaucoup. Building, 2000, 2000. Ouais, ça commence à coûter un peu cher. Alors, il y a ces parties-là que je peux acheter. Hein. Celle-ci, on va l'acheter. Allez, go. Allez. Ah, lui va vouloir un œuf en or, je crois. Je crois que c'est ça son truc. On va aller regarder. Donne-moi ton caca à toi. Hop là. On va récupérer tout ce qui sera pêché là-dedans. Voilà.
Tiens d'ailleurs, il n'y a pas un autre mob là qui va dropper du, de l'acier qui peut spawner là. Ouh, un autre trésor, cool. C'est vrai qu'il fallait qu'on farme aussi les piments. Et également le cactus, parce que je crois que le cactus, on n'a pas fini de remplir le musée. Hein. On a récupéré un rubis. Clac. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que ce cercle avec des chiffres, ce sera pour plus tard. Ce sera pour bien plus tard. Étant donné qu'on a déjà fini le jeu, on sait à quoi ça sert. Hein. Pour ceux qui ont déjà regardé la série, pour ceux qui ne savent pas, eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on verra bien plus tard. Pas maintenant, en tout cas. Ok. Je termine de virer un petit peu tout ça. Je sais pas si on fera un accéléré aujourd'hui, je pense pas. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'accéléré... Ouh, on casse pas tout. En parlant d'accéléré, j'ai vu certaines personnes me demander de mettre de la musique dans les accélérés. Le problème, c'est que... Personnellement, j'aime beaucoup entendre le son du jeu en accéléré. Alors, je sais qu'il y en a qui préféreraient de la musique. Mais le problème, c'est que mettre de la musique, c'est du temps de recherche pour la musique. Parce que je vais pas vous mettre une musique qui dure 5 minutes alors que l'accéléré dure 30 secondes, par exemple. Ce serait un peu con. Donc, et j'ai pas envie de couper une musique en plein milieu, ce serait dommage. Donc, personnellement, vous ne verrez jamais de musique sur mes accélérés. On entendra juste le jeu en accéléré. Qui, pour ma part, je trouve le son satisfaisant. Je sais pas pour vous, mais moi, je trouve le son satisfaisant. C'est peut-être un kiff personnel un petit peu spécial, mais voilà. Moi, je l'aime bien. C'est comme ça. Regarde, pendant que je parle en même temps, on vide un peu la zone. On va monter et on va pouvoir se préparer à aller parler au nouveau PNJ. Il doit y en avoir des saloperies derrière. Oh, quoique pas tant que ça. Toute la stone qu'on chope, ça va être beau quand on va pouvoir construire en pierre. Allez, dégage. Bouge. Bouge. Tac, on creuse. Il y a une vache ici. Je crois qu'elle va mourir. Hein. Ah, elle s'est échappée. Elle a bougé. Voilà, t'étais en même temps, t'étais au milieu. Qu'est-ce que je fasse? Ok, on a chopé que du poisson. Bon, c'est toujours ça. Alors, bouge-moi ça. Voilà, et tu vas construire un petit bridge. Ok. Tiens, d'ailleurs, un autre petit bridge. Hop, tu vas le construire là. On va pouvoir aller de l'autre côté. Je dépense pas trop de bois pour les bridges. Hein. J'aimerais en garder un petit peu du bois. Même si j'en ai un peu. Hein. Ça nous servira également pour les constructions, etc., etc. Ok, là il y a un trésor. Creuse. Des os. Nice. Ouh, il y a un squelette là-bas. Cherche la bagarre. Cherche la bagarre. Tiens, t'es mort. Ou les slimes là-bas. Tiens. Et là, il y en a plein pour qu'on puisse faire ce qu'on veut. Récupère tout ça. Ok. Très bien. Bonjour. Lovely to meet you, friend. My name is Hannah Banana. It's hard being a princess. It's in the desert. No flowers grow here. A flowerless princess, I should hate. C'est pas lui qui me demande, enfin c'est pas elle qui me demande l'œuf en or, elle me demande des fleurs du coup. It's absolutely awful, I think you could help me here. Ouh, bien sûr. They are beautiful, thank you very much. I hope you like animals, this will help you find more of them. Merci. Du coup, ça... Animal love the smell of it. Ah, peut-être que si je bois cette potion, les animaux vont venir vers moi. Ah ah. Since you help me, I want to help you. I can make a rare form of clothing that will make animals love you forever. Bring me the material and I will make it for you. Ah ouais, voilà, il veut du royal machin. Elle veut du royal machin. Ok. Ok. Alors, pour ce qui est de la popo que je viens d'avoir, je pense que je vais attendre un petit peu avant de l'utiliser parce qu'il va falloir qu'on éclaircisse la zone en fin de compte. Pour que je puisse ramener les animaux dans l'enclos, si vous voulez. Donc, et il faut aussi qu'il y ait des animaux dans le chemin. Donc, on passe par là. On dégage ça. On vire ça, on vire ça. On creuse et on déglingue le slime. Je pense qu'au niveau des eaux, on devrait pas être loin de la demande
de l'autre PNJ. Il va falloir qu'on vérifie ça. Ok. Tac, 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 tac. Très bien. Allez, bouge. Bouge. Toi. Ok. Le gros, la grosse bestiole ne m'a pas touché. Par contre, le slime m'a touché, quoi. Je vais virer l'arbre qu'il y a là-dedans. Et vu qu'il y a une vache ici, je pense que je vais tenter la potion. On va tenter la potion, on va voir ce que ça donne. Animal drop more resource. Animal and fairy spawn near you. Ah. Ça spawn à côté de moi. Bon, du coup, ça drop plusieurs sources, donc go. Hein. Je savais plus à quoi ça servait cette potion, donc bon. D'ailleurs, le poulet s'est barré d'ici. Hein. Attendez, le cochon vient de... Enfin, le cochon. La vache vient de spawner, j'ai l'impression, ici. Mais c'est dommage qu'elle ne vient pas vers moi. Salut, ce toc... Attends, je peux l'attraper ou pas? Attrape-la! Ouais, mais il y a plein de poulets, là, eux. C'est quoi ce délire? Si je reste ici... Est-ce que les animaux vont spawner autour de moi là? T'as une fée, donne-moi la fée. Allez! On va creuser en attendant. Il y a un mouton, non! Évidemment, le mouton s'est barré. Donc, ouais. Ranger les animaux dans les enclos, nope. C'est pas une bonne idée. C'est clairement pas une bonne idée puisque de toute façon, les animaux se barrent après. Ils se barrent. Donc. Oh, j'aurais peut-être dû lui demander. Ah ça par contre c'est bien, je vais pas la tuer. Enfin, normalement le mouton tu peux l'avoir uniquement dans les biomes neige. Mais s'il spawn à côté de moi c'est très bien. Ah oh, mais non mais le poulet là. J'aurais aimé voir si t'avais un œuf. Parce qu'il m'en faut des œufs pour ma collection. Voilà. Ouh. Ouh. Dame. Oh oui je veux. Je peux recommencer avec toi? Non. Oh cette potion elle est pétée. Toi je peux rien faire avec, non. Du lait. Du lait. Je te prends juste du lait, c'est tout. Là-bas, il n'y a rien d'intéressant avec des arbres. Dégage le slime. Je cherche du poulet. Poulet, poulet. Poulet, poulet, poulet. Il y a un trésor là. Ok. Il y a un trésor là aussi. Il y a un trésor là-haut aussi. Est-ce qu'il y a d'autres trésors là-haut? Non. Ouh, mouton. Donne-moi ça. Oh là là, là c'est bien ça. Par contre, chope un peu tout ça. Allez, le petit dernier là-bas. Ah, très bien. Un petit trésor ici. Il y a une vache qui vient spawner, donc c'est le décès de la vache, malheureusement, mais c'est comme ça. Ici, il n'y a rien. Alors, toi, c'est le décès aussi. J'ai plein de pièces pour aller récupérer après. Ouh, poulet, 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 poulet. Donne-moi tes œufs, regardez-moi tous ces œufs, c'est stupide. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oui, oui, s'il te plaît. T'as failli t'en prendre une, hein. Mouton. Je crois que j'ai tout récupéré. Nice. Cette potion est vraiment chouette. Cette potion est vraiment chouette. I should eat. Oui, oui, tu peux manger. Mais vu que c'est moi qui joue, c'est moi qui décide quand est-ce que tu manges. J'ai mes 100 os. Bouge, l'arbre, bouge. You did it. Et I'm ah non, ça c'est moi qui dis I'm exhausted. I only doubt you up until the end. Here is my reward. Ah, très bien. Donc là par contre il me faut une clé. Apparemment j'avais déjà une clé tout à l'heure quand j'avais ouvert mon coffre. Bizarre quand même. Je pensais pas que j'avais une clé. Combien d'œufs? Ouh, 50, je vais pouvoir remplir le musée. Bien ça. Ok, ça j'en ai. Nice, nice, slime, direct, je réfléchis même pas. Et là-haut on peut... Non, il m'en manquerait deux, oh là là, il m'en manque pas beaucoup en vrai. Il m'en manque pas beaucoup, il y a moyen. Le mouton là, il est où le mouton? Il y a des poulets là encore. Donne. Donne. Mouton, donne. Mmh. Oh là là. J'en reviens toujours pas que cette potion elle soit aussi pétée. Ok. Eux m'intéressent pas. Derrière un mouton là. Hop. Creuse. Creuse.
Ok. Donc là-haut, maintenant, je peux lui faire ça. Max 6. Après, je lui ferai les boots. Ok. Et j'ai encore 30 secondes de cette potion. Hein. Ok, une vache qui est passée par là. Toi. Ah. Je prends, j'achète. 1000, pas assez. Et ça, par contre, je sais pas à quoi ça me sert. Star Fragment. De toute façon, j'ai. Si j'ai de la place. Ouais, je vais pas aller en acheter tout de suite. Vu que je sais pas encore trop à quoi ça va me servir. De toute façon, là, c'est bon. Ma potion a fait plus effet. Dégage-toi. Donne-moi ça dans. Tant qu'à faire. Et du coup, on va avoir une nouvelle paire de boots et une nouvelle paire de gants. Et en slime. Tac. Donc les slime gloves, attack speed increase by 10%. Ouh, golden glove. Maintenant ça me demande du verre. Très bien. J'avais besoin de verre pour autre chose aussi. Pourquoi donc? Non, là c'était le Great Skull qu'il me fallait. Ouh, l'arc. Ouais non, l'arc m'intéresse pas. Great Skull toujours. Et ici, Nightshade, je pourrais. Nightshade, il m'en manque deux. Tiens, on va aller les chercher. Oh là là, c'est le bordel ici. Il faut que je me fasse une clé aussi. Tiens, je vais me faire une clé. La clé. Oh, please la vache, là. T'es en plein milieu, là. S'il te plaît. Ok. Je vais choper ce qu'il y a dedans. L'autre, là où il est énervé. Va-t'en, mon cochon. C'est pas un cochon, mais c'est pareil. Oh, niveau 24. Nice. On va pouvoir monter. Hop, hop. Et du coup... Ah bah, on va monter tout de suite. Du coup, j'avais dit qu'on partait pour les bouquins. Et ça va être important parce que on va pouvoir se faire des grimoires, je crois. À moins que ce soit celui-là. Scroll. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est celui que je viens de faire, je crois bien. Parce que je vais pouvoir augmenter... Voilà, il fait quoi, là? Tu sais que t'es en train de casser mes barrières. Ok. Ferme ça. Je peux... Je crois qu'elle est à l'extérieur. T'es à l'extérieur? Tu te fous de moi, hein? Tu te fous de moi? Elle s'est coincée dans la barrière. Je te jure! Je te jure qu'ils se foutent de moi. Je vais enlever ces barrières, elles me servent à rien. C'est une mauvaise idée de s'en servir. Enfin, les barrières, elles pourront toujours nous servir pour protéger notre zone, hein, si on veut vraiment avoir une certaine protection. Mais pour les animaux, non, ça ne sert à rien. Absolument à rien. Ça va me prendre de la place, non? Ah non, c'est bon. Donc je vais les revendre. C'est pas très très grave. Hein. Si j'en ai besoin plus tard, de toute façon, on aura les ressources nécessaires. On pourra, quoi qu'il en soit, en racheter. Donc, mais ouais, pour le coup, là, non, c'est non. C'est non. Hop. Ouh. 16 Iron Floor, c'est tout? 16. Déjà toi. Hop, hop. C'est tout ce que j'ai besoin de te vendre à toi. Hein. Ouais, le reste, il faut que je le garde. Iron Floor. Coûte pas cher. J'ai envie de regarder ce que ça donne. Ouais. C'est moyen. C'est moyen. Ma foi, on l'a, donc autant s'en servir. Ok. On va le mettre là, le dernier. Donne! Pas grand-chose. Hein. J'ai plus l'effet de potion, donc forcément. Ok, on a la clé. On récupère les boots. Donc, je bouge 5%... Non, je bouge 10% plus vite. Et j'ai 5% plus de chance d'esquiver les attaques. C'est pas mal. Rien que le fait de marcher plus vite, déjà, c'est un gros... Gros, gros point positif, hein, clairement. Ok. Très bien. Donc, on va juste essayer de choper des Nightshades, là, rapidement. Dégage. Je récupère un petit peu ça, là. T'as des Nightshades qui viennent de popper juste là. Impeccable. Squelette. Maintenant que j'en ai plus besoin, il va m'en faire spawner n'importe comment. Non, c'est avec la pelle qu'il faut taper, c'est pas avec la... Non, c'est avec la pioche, pardon, qu'il faut taper, pas avec la pelle. Ok, ouvre ça, qu'est-ce qu'on a? Oh! La Skull Key!
Donc la Skull Key, elle est bien parce qu'elle va me permettre d'ouvrir tous les coffres maintenant. J'ai plus besoin de recrafter des clés. Et ça, c'est cool. J'allais dire laisse-moi passer, mais c'est bon, tu m'as quand même laissé passer. Et maintenant, c'était là, je crois. Golden Boots, déjà. Nightshade, j'en ai besoin pour quoi? Ça? Ah oui, il me faut un seau, il me faut de l'eau, c'est tout. J'allais dire un seau d'eau, mais non, c'est pas un seau d'eau qu'il me faut. Fait bottle. Hop. On va juste récupérer de l'eau rapidement. Clic. Voilà. Ah, il m'a foutu les... Ouais, là-haut. Donne. Voilà. Là, tu peux le faire, la water shovel. Go. On va l'aider un petit peu. Donc, on craft la water shovel. On va sûrement crafter les boots en or et on s'arrêtera là. Parce que je suis en train de regarder le temps, on est déjà à 25 minutes, mine de rien, c'est pas mal. Avec le temps qu'on a, on va cuire à fond le fer. À fond l'or. Comme ça on est bien. Je pourrais installer d'autres fournaces, mais bon, allez, on est bien là. Ici, golden boots. Non, il me faut du verre, il m'en faudrait deux autres. Arrête ça. Glace, max. Il faut juste deux de verre et ça sera bon. Ok, c'est bon. Donne ça. Hop, golden boots. Let's go. La shovel. La water shovel. Dig area increase. Digging irrigate the dirt. Ça, j'aime bien. Parce que tu vois, direct, ça fait 4. Et là, tu peux commencer à creuser un peu n'importe comment pour choper de temps en temps des trésors. Bon, là, évidemment, tu creuses, t'as pas grand chose. Mais tu vois, j'ai quand même récupéré un de sable. Mais à un moment dans la partie, on fera énormément de ça. Et quand on aura la méga pelle qui nous permet de creuser méga vite, ce sera juste stupide. Ok, bouge-toi. Donc, on va récupérer un petit peu tout ce qu'on a là. Et ensuite, on va aller choper nos boots en or. Attends-toi. Ok. Boots en or. Terminé. Nice. J'augmente ma vitesse de 20% et j'ai 10% de plus de chances d'esquiver les attaques. Ça, c'est bien. Double item d'un seul coup, c'est beau. Du coup, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Encore une fois, un gros kiff de jouer à ce jeu. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où on fera probablement, cette fois-ci, de l'accélérer pour essayer de choper un petit peu toutes les ressources à droite à gauche. Tenter de gagner des levels, etc., etc. Encore une fois... Sachez que je joue en mode pépère, je me prends pas la tête, j'ai pas envie de rusher, j'ai pas envie de me dire paf, il faut que je prenne ça et ça et ça pour que je puisse aller super vite dans le jeu. C'est pas du speedrun, d'accord? Je préfère préciser, je suis en mode cool. Sur ce, merci encore une fois d'avoir regardé, porte-toi bien, tac tac, et à bientôt, bye.